Papa Ferdinand, l'Assemblée Rema Ministry Mission en général et les mères vertueuses en particulier vous souhaitent une chaleureuse bienvenue à ce culte de famille couplé à celui d'ouverture des portes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous gratifie de nombreux dons encore. Nous vous aimons. Amen. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Commence à acclamer le Seigneur, que ce soit dans la première tente, la deuxième tente. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Pendant que tu es debout, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire le thème de mon message ce matin. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Ton amen, si en train de me dire non, vraiment, papa. Est-ce que la deuxième tante peut me donner un bon amen avant qu'on ne commence? Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Dis à ton voisin, l'Éternel rendra ton nom grand. The Lord shall make your name great. Est-ce qu'on peut lire? Can we read it? Je vais lire ici d'abord. I will read here first. Après, je vais lire en hébreu et on va lire en français dans Genèse 32 à partir du verset 24. Genesis 32, verse 24. Mais je vais lire Genèse 12 à partir de 2. Ve'eshka, Gadov, les Govi, je ferai de toi une grande nation. Va à Vareka, je te bénirai. Va à Gadela, chez Meka. Et je rendrai ton nom grand. Bereka, je te bénirai. Ok, tu vas répéter avec moi. You will repeat after me. Vereshka. Vereshka. Et je ferai. And I will make. Gadolf. Gadolf. Legovi. Legovi. De toi une grande nation. You a great nation. Va à Vareshka. Va à Vareshka. Je te bénirai. I will bless thee. Va à Gadela. Va à Gadela. Chez Meka. Chez Meka. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Bereka. Bereka. Je te bénirai. I will bless you. Lève la main avec moi. Dis Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus, fais de moi une grande nation. Make me a great nation. Rends mon nom grand. Make my name great. Et bénis-moi. And bless me. Au nom du Père. In the name of the au Father, nom du Fils. The name of the Son, au nom du Saint-Esprit. The name of the Holy dis amen trois fois et tu t'assois en célébrant Jésus. And celebrating Jesus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Can we celebrate Jesus? Bienvenue au culte et service des portes ouvertes et de la possession. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oui, d'accord. De la possession de la porte de tes ennemis. Regardez. Garialita wa anna baruki finos neka. Antalazan wa anna brosten. Inasna wa anna alkei. Dis à ton voisin, chromologie en langue. Lorsque Rebecca s'est mariée. When Rebecca got married. Oh là là, oh là là. Wow. Lorsque elle s'est mariée. When she got lorsque married, Eliezer de Damas est venu la chercher. Came to fetch her. Et sa famille l'a béni. Him, et quand elle partait, ils lui ont dit ceci. This, va, go, que l'Éternel te fasse posséder la porte de tes ennemis. Ils l'ont béni deux fois avec la même prophétie. Et je te bénis et je prophétise la prophétie là sur toi et ta famille. Que ton Dieu te fasse posséder la porte de tes ennemis au nom souverain de Jésus. Vous savez, celui qui dit Amen, l'ange de Dieu le localise et sa vie change. Asseyons-nous. Écoute-moi bien. Nous irons quelque part ce matin ensemble. Et on l'a béni. On l'a dit va. Rebecca est partie. Son mariage n'a jamais connu de divorce. Son mariage n'a jamais connu de problème. Elle n'a jamais connu d'ennui. Jamais. Jamais. Pourquoi?
Parce qu'il y avait une prophétie familiale sur elle. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Lorsque cette alliance est sur ta vie, c'est une réalité. Une personne qui porte cette bénédiction, ses ennemis ne peuvent jamais remporter la victoire contre elle, jamais. Parce que c'est une alliance qui interdit à tes ennemis de se moquer de toi. C'est-à-dire que Dieu ne te livre jamais entre les mains de ceux qui te haïssent. Ils peuvent prophétiser, déclarer des choses contre toi, mais ils ne verront jamais ces choses-là arriver. Même quand tu traverses des moments difficiles, tout le monde s'attend que tu tombes. Les gens sont même sûrs que tu vas tomber. Mais à la fin, tu t'en sors glorieux. Tu t'en sors plus riche. Tu t'en sors plus puissant. Pour une simple raison. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Donc, tu as la clé qui contrôle la porte de tes ennemis. Et si tu contrôles leur porte, leurs paroles n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que tu as le pouvoir de les annuler. Tu as le pouvoir de les effacer. Tu as le pouvoir de les rendre nuls et sans avenue. Que leur parole contre nous soit nulle et non avenue. Toute prophétie contre ta vie retournera à l'expéditeur. Oh là là! Dis à ton voisin, ça n'arrivera pas. Maintenant, vous regardez Rebecca. La chose s'est passée dans sa vie. Mais c'était une alliance. C'est un héritage. C'est ce que j'appelle l'alliance des pères sur les fils. Cette alliance est venue d'Abraham. La Bible dit que Dieu parle à Abraham. Et dit à Abraham, Veshka, Gadov, les Govi, je ferai de toi une grande nation. Va à Vareshka, va à Gadela. Il dit, et je ferai de ton nom, je rendrai ton nom grand. Va à Gadela, chez Meka, je rendrai ton nom grand. Il dit, Bereka, je te bénirai. Vous voyez, lorsque Dieu apparaît à Abraham, il donne trois bénédictions à Abraham. La première, je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham est stérile. Donc ça dit, peu importe les situations que tu traverses, tout peut être contre toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole de prophétie sur ta vie. Je ferai de toi une grande nation. Mais les gens voient que tu es stérile. Je ferai de toi le plus riche de ta famille. Mais tes affaires ne fonctionnent pas. Tu seras béni. Tu auras de grandes nations qui sortiront de tes entrailles ou de tes reins. Mais je suis encore célibataire. Le problème n'est pas que tu es célibataire. Le problème n'est pas que tu es pauvre. Le problème, c'est que la parole de Dieu rendra possible ce qui est impossible en ta faveur. Tu es malade. On a dit, tu vas mourir. Mais Dieu dit ce matin, je te donne encore de longues années, des années riches, des années glorieuses, des années bénies. Je prophétise la longévité sur ta vie. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, que ce soit le cancer, le VIH, quel que soit le nom de cette maladie mortelle, je déclare que tu vivras longtemps. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Tout décret de mort sur toi, sur tes enfants, est annulé au nom souverain de Jésus. Quelqu'un dit Amen, la main de Dieu agite sa vie maintenant. Je dis, tu dis Amen. Dieu se lève en ta faveur maintenant. Tu deviendras une grande nation. Que les gens t'aiment ou pas, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a parlé. On ne sait pas comment ça se fera, mais on sait que ça va se faire. Tu ne peux pas mourir petit. Tu ne peux pas mourir dans l'obscurité. Non. Tu deviendras une grande nation. Je dis, tu deviendras une grande nation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, mon Père, fais de moi une grande nation. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand au nom souverain de Jésus. Va à Gadola, chez Meka.
Je rendrai ton nom grand. Je vous ai dit qu'il y a des personnes, le mystère des noms, c'est ça que je vais te montrer ce matin. Il y a un nom qui apporte le malheur, il y a un autre nom qui apporte le bonheur. Je ne parle pas du nom que tes parents t'ont donné. Il y a un nom spirituel que tu dois retrouver ce matin. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut qu'on explique? La Bible dit ceci. Osteitis, je vais expliquer un peu quelque chose qui est un peu technique. Osteitis en Christo, kahine kitisis, tar kahi apparelten idu gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit ceci. Hode elabon autu, edoken autois exusian, tegnateu genestai. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Ça veut dire quoi? Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je nais, mon père et ma mère m'ont donné un nom. Et Kane Ferdinand. Toi aussi tu as un nom. Mais ce nom n'a pas d'influence sur ta destinée. Il y a un autre nom que tu dois découvrir ce matin. Et chacun retournera avec ce nom. Et Jésus-Christ, la Bible explique, Jésus dit que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez être sauvé. Il faut naître de nouveau. Genoten anoten. Quand on parle de naître de nouveau, genoten anoten veut dire naître de Dieu, naître du ciel, descendre d'en haut, la nature qui vient d'en haut, et non pas de la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, et tous ceux qui l'ont reçu, il dit, tegnateu genestai, exousian tegnateu genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être conçu et enfanté par Dieu. Donc Dieu t'accouche. Ginomai veut dire engendrer. C'est-à-dire que quand tu nais de nouveau, Dieu t'a conçu et il t'a enfanté. Tu es enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Il t'a accouché. C'est-à-dire qu'il t'a donné la vie. Maintenant, tu partages sa nature. Comme la naissance de ta mère te donne de partager la nature de ta mère et de ton père. Tu as 50% des chromosomes qui appartiennent à ta mère, 50% des chromosomes qui appartiennent à ton père. C'est ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est un peu comme l'empreinte de ton père et de ta mère en toi. Donc quand on te prend, on peut connaître qui est ton père, qui est ta mère, par ton sang, par tes cellules. C'est la même chose. Quand nous naissons de Dieu, le sang de Christ coule en nous. L'ADN de Jésus entre en nous. C'est pour cela que Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Il est Dieu, nous sommes des dieux. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous sommes des dieux parce qu'il est Dieu. La divinité entre en nous par la nouvelle naissance et nous prenons contrôle sur toute la création. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Et dit, voici, je vous donne le même pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la sorcellerie, sur la maladie, sur la malédiction, sur la pauvreté, sur l'échec, sur la sorcellerie, sur la stérilité, sur toutes sortes de blocages spirituels. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne te nuira plus au nom de Jésus. Le célibat ne te nuira pas. Et la divinité est en nous. Nous sommes des dieux. Dis à ton voisin, je suis un dieu. Ce qui nous tue, c'est quoi? Nous sommes des dieux. Mais nous avons la mentalité des humains.
Quand tu fonctionnes, ne fonctionne pas comme un humain. Parce que sinon tu deviens comme tes soeurs et comme tes frères. Fonctionne comme un Dieu. Parce que you are a God, you are a God. J'ai dit, you are a God, you are a God. Il y a l'ADN de la divinité en toi. Regarde-toi. Dis, je suis un Dieu. Je marche sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Aucune sorcellerie ne peut influencer ma vie. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Comprenez ça, mes amis. Le seul problème, c'est ta mentalité. Est-ce que tu crois que tu es un Dieu? Ne regarde pas tes problèmes. Ça va te décourager. Ne regarde pas tes problèmes. Ça fera de toi un homme. Regarde à Jésus. Tu deviendras un Dieu. Tu seras fort. Tu seras puissant. Tu seras redoutable. Dis, mon Père, que la divinité se manifeste en moi. Est-ce que la deuxième tante est avec moi ce matin? J'arrive là-bas, j'arrive. C'est même ma maison là-bas. La deuxième tante, c'est ma maison. C'est là-bas que j'aime. C'est même vous que j'aime. J'arrive. Et Jésus dit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel sera inscrit son nom nouveau. Que lui seul et Dieu connaissent. Ton nom est écrit sur le caillou blanc au ciel. Ton nom nouveau. Et c'est ce nom qui doit influencer ta vie. Et non pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Parce que le nom que ton père et ta mère t'a donné, ce nom a une influence charnelle sur toi. Ça veut dire que si on te donne le nom d'un sorcier, son nom influencera ta vie et ouvrira les portes de la sorcellerie sur toi. Si on te donne le nom d'un ivrogne, il y a de fortes chances que tu deviennes ivrogne. Si on te donne le nom d'un prostitué, il y a de fortes chances que tu deviennes prostitué. Parce que les esprits qui l'ont retenu en captivité chercheront aussi à te maintenir en captivité. Parce que par le nom, ces esprits ont un droit sur toi. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens qu'on appelle Kwedi. Kwedi, la mort. Si ton nom c'est Kwedi, la mort, c'est normal que la mort te poursuive. Ton nom donne le droit à la mort de toucher ta vie, d'entrer dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quel est le nom que tu portes? Attendez, asseyons-nous, asseyons-nous. Zaritawa inna grosmo. Demande à ton voisin, quel est le nom que tu as sur le caillou blanc? Le caillou blanc, laisse-moi te montrer d'abord. Le caillou blanc, il dit, le caillou blanc, son ton nom est écrit. Il y a un nom que tu ne connais pas, mais que tu dois trouver ce matin. Qui est écrit sur ton caillou blanc? Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, a un caillou blanc au ciel devant Dieu. Le caillou représente quoi? L'élection. Parce qu'à l'époque, en Israël, le Sanhédrin qui était formé de 70 anciens, lorsqu'on voulait tuer quelqu'un, exécuter quelqu'un, donc c'était comme le tribunal. Chaque membre du Sanhédrin avait un caillou, soit noir, soit blanc. Et pour dire que oui, je veux que telle personne soit exécutée, comme la mort de Jésus, ou bien la mort d'Étienne. Vous connaissez le diacre Étienne qui a été lapidé. L'apôtre Paul dit ceci, que lui-même, il a approuvé le meurtre du diacre Étienne. À partir de ce moment, les théologiens sont divisés sur la question. Certains pensent que l'apôtre Paul, s'il dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne, l'évangéliste Étienne, ça veut dire qu'il était membre du Sanhédrin. Et l'une des conditions pour devenir membre du Sanhédrin, il fallait avoir 30 ans au moins. Et il fallait être marié. Et c'est pour cela que certaines personnes pensent que l'apôtre Paul était d'abord marié. Parce que Paul dit que à ceux qui sont veufs, je leur demande de demeurer comme moi. Comme moi quoi? Veuf ou quoi?
C'est vrai qu'on peut discuter là-dessus. Mais le fait qu'ils disent qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne, on pense qu'il était membre du Sanhédrin. Et le fait qu'ils disent que les veuves restent comme lui, demeurent comme il est, la conclusion peut dire, ok, il est veuf aussi. Soit sa femme est morte, ou alors, peut-être sa femme l'a abandonné lorsqu'il a accepté Jésus. Il a embrassé le christianisme. Mais ce sont des spéculations. La Bible ne dit rien dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc l'apôtre Paul, la Bible parle du caillou. Le caillou blanc était dans l'élection. Quand on voulait condamner quelqu'un, comme Jésus sur la croix, ça ne pouvait pas être possible. Si chaque membre du Sanhédrin ne sortait pas son caillou, il déposait. Quand tu déposes, tout le monde dépose. On compte les cailloux qui sont pour. Et le nombre de cailloux compte. Et le nombre le plus élevé gagne les élections. Donc le caillou était le symbole d'élection. Donc quand Jésus dit à celui qui vaincra, il lui sera donné un caillou blanc. Ce caillou blanc, c'est l'élection d'abord. Ça veut dire que j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus à ma famille. Les malédictions familiales, tout ça, je suis arraché de leurs racines. Ces choses n'ont plus d'autorité sur moi. Personne n'a plus droit sur ma vie. Seul Dieu à qui j'appartiens désormais est le gardien de ma vie. Et si quelqu'un me touche, il a mis le doigt dans l'œil de Dieu. Parce que la Bible dit en ce moment, celui qui vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. C'est l'appartenance à Dieu, le caillou blanc. Et ceux qui appartiennent à Dieu, on ne les touche pas, mes amis. Si tu les touches, tu as cherché les problèmes avec leur père. Tu peux arracher un poussin à la mère poule. C'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu deviens la propriété privée de Dieu. Tu deviens une zone interdite. Si un sorcier tente sur toi, tu seras la dernière personne qui l'aura tenté de sa vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dans le caillou et l'élection, nous sommes élus. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Après la mort, nous retournerons à la maison. On va aller habiter avec lui au ciel là-bas. Nous serons dans la joie, dans la gloire, dans l'éternité, adorer notre Dieu. Et nous resterons avec lui au siècle des siècles, dans le bonheur, la richesse, l'abondance. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Et le caillou blanc, le blanc représente la sainteté, la nature de Dieu. Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est la propriété de leur vie. Ce que la Bible appelle la sanctification, la sainteté, la pureté, la justice, la droiture, la vérité. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Ceux qui ont le caillou blanc, ils sont droits, ils sont blancs, leur vie est blanche comme leur caillou est blanc. C'est des gens qui craignent Dieu. C'est des gens qui mènent une vie de justice devant Dieu. Ils ne vivent pas comme des païens. Ils ne vivent plus comme quand ils étaient non-croyants. Quand tu les vois, quand ils te disent A, c'est A. Quand ils disent B, c'est B. Ils ne te disent jamais A. Tu vas découvrir que c'était W. C'est des personnes sanctifiées. La vie de Dieu n'est pas une théorie pour elles. C'est une réalité. Ils vivent dans la plénitude de la présence de Dieu. C'est ça ceux qui ont le caillou blanc. Il y a encore des hommes qui craignent Dieu dans cette génération. Il y a encore des gens qui marchent dans la justice, qui peuvent refuser le péché parce qu'ils veulent glorifier Jésus, qui savent leur responsabilité en tant que serviteurs et servants de Dieu. Je crois qu'il y a encore des femmes dans l'église qui craignent Dieu. Je crois qu'il y a encore des jeunes femmes dans la maison de mon Dieu qui mènent une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de justice, d'intégrité, de droiture. Je crois qu'il y a encore des hommes dans l'église qui honorent le nom de Dieu par une vie de droiture et de sainteté. Je crois en cela. Je veux croire en cela. Je crois que si Jésus revient maintenant, il trouvera beaucoup de personnes ici qui vont monter au ciel avec lui. Je veux croire en cela. Et la Bible dit, ce caillou est blanc, et le caillou représente l'imperméabilité. Dis à ton voisin, l'imperméabilité. Si tu verses l'eau sur le caillou ne se mouille pas, le caillou ne se trempe pas. Ça montre la sécurité divine. Ceux qui sont nés de Dieu et qui ont leur nom nouveau, ils sont imperméables aux malédictions. Tu peux dire ce que tu veux contre eux.
Ce que Dieu a dit là, ce n'est que ça qui va arriver. C'est pour cette raison que je m'en fous de ceux qui me haïssent. Je m'en fous éperdument. Parce que j'ai mon caillou blanc. Mon nom n'est pas écrit sur l'argile, sur des briques de terre. Mon nom est écrit sur un caillou blanc. Aucune malédiction ne peut percer ce caillou. Ma vie est imperméable. Tu prophétises contre moi. C'est ta salive que tu dépenses. Tu seras obligé de me voir prospérer. Tu dis du mal de moi. C'est ton énergie que tu dépenses. Mon nom est écrit sur le caillou blanc. L'imperméabilité divine est dans ma vie. Tu peux prophétiser contre moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton problème. Ça ne changera rien. Je vivrai. J'accomplirai la grande destinée, la glorieuse destinée que Jésus a réservée pour ma vie. On s'en fout, mes amis, de ceux qui nous veulent du mal. Ça n'arrivera pas. Je commence par ta famille. Dieu a dit, tu seras grand. Je ferai de toi une grande nation. Tu deviendras une grande nation au nom de Jésus. Je dis que tu deviendras une grande nation au nom de Jésus. Celui qui dit amen plus que son voisin devient une grande nation là maintenant. Je n'entends pas ton amen. Tu dis amen, Dieu te multiplie à l'extrême. Tu dis amen, Dieu te multiplie devant tes ennemis. Tu dis amen, leur prophétie retourne contre eux-mêmes. Je te vois une grande nation. Je vois tes enfants une grande nation. Dieu te rendra grand. Dieu t'élèvera. Il nettoiera les larmes de tes yeux. Quelqu'un dit amen, cette fois c'est accompli. Est-ce qu'on peut célébrer? Can we celebrate? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Can somebody clap for Jesus? Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Celebrate Jesus. Tu deviens une grande nation. You'll become a great nation. Tu deviens une grande nation. You'll become a great nation. Tu deviens une grande nation. You'll become a great nation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Dis à ton voisin, je ne peux pas échouer. Tell your neighbor, I cannot fail. Ce n'est pas possible. It is not possible. Je serai une grande nation. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Zaina Uteloka. La Bible dit, the Bible says, que Dieu dit à Abraham, God told Abraham, je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Vous savez, mes amis, you know, friend, il y a des personnes, la grâce de Dieu sur ma vie, il y a des gens qui doivent devenir des nations ici avant que je ne descende. Je ne sais pas quelles sont les alliances maléfiques dans ta famille, mais je sais que la parole de Dieu est plus puissante que la sorcellerie. La parole de Dieu est plus puissante que celle de nos ennemis. Abraham appartenait à une famille idolâtre où la magie était pratiquée, où personne ne se démarquait. Dieu a pris Abraham. Il lui a dit, toi, je rendrai ton nom grand. Vous savez, il y a des gens, on parle d'eux. Personne, on appelle ton nom. C'est qui? C'est encore qui? On l'appelle. Tu dis que c'est qui? What is his name? On dit, mais Jean, non? But Jean, dit, Jean, c'est qui? Who is Jean? Tu arrives dans un quartier, tu demandes, s'il vous plaît, c'est au conseil de la maison, Jean. On dit, c'est qui Jean ici? C'est qui Jean? On ne le connaît pas. We don't know, mais il y a des him, gens. Dès que tu donnes leur nom, when you give their tout name, le monde connaît. Everybody knows. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Tout le monde connaît. Même everybody les grands-mères dans les villages connaissent. Even grandmothers in the villages. Que Dieu rende ton nom grand au nom souverain de Jésus.
Il y a ce qu'on appelle la bénédiction de la grandeur du nom. C'est-à-dire que Dieu te bénit tellement que ton nom devient une référence dans ta génération. Quand tu es dans un quartier, ton nom devient le nom du quartier. Vous savez que j'ai dit dernièrement que si vous arrivez, attendez, que la bénédiction de Dieu sur moi soit sur ta vie. Que sa bénédiction sur moi soit sur ta vie au nom souverain de Jésus. Lorsque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, il dit que ses enfants seront aussi grands. Donc l'alliance d'Abraham a été sur ses enfants. Quelle alliance que je porte sur vous? Dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoutez mes amis, Dieu parle à Abraham, je rendrai ton nom grand. J'ai dit une chose, quand Dieu rend ton nom grand, on prononce ton nom avec respect. Ta famille respecte ton nom. C'est les gens qui défendent ton nom. Hey, ne prononce pas le nom de la femme là comme ça, on ne joue pas. Le nom, la femme, hey, l'homme là, on ne joue pas avec son nom. Que Dieu t'élève. Qu'il élève nos enfants. Que l'Éternel restaure nos vies pendant ce mois. Qu'il rend ton nom grand au nom souverain de Jésus. C'est une onction, c'est une grâce, c'est une alliance. C'est-à-dire que c'est un esprit. Quand tu le reçois, il agit en toi. Je vous ai dit dernièrement, partout où nous sommes arrivés, le quartier a pris le nom de Rema. Partout. C'est ça, je rendrai ton nom grand. Jusqu'à aujourd'hui à Ebogo, quand tu arrives, tu dis Carrefour Rema. Tout le monde connaît. Nous sommes à la B. Quand tu arrives là-bas, l'endroit là on appelle Carrefour Rema. Quand tu dis Carrefour Rema, on t'amène simplement là-bas. Dans mon quartier, ne cherchez pas mon quartier, pardon. Dans mon quartier, quand tu arrives, tu demandes seulement Carrefour et Canet. On t'amène. Partout où tu arrives, l'endroit porte ton nom. Les gens identifient ton nom. C'est-à-dire, ton nom devient une référence. C'est-à-dire, un prestige. Et est-ce que tu sais qu'il y a un temps qui est en train de venir? Les gens vont se dire, ah, c'est mon ami, hein. Quand on parle de toi, quelqu'un se lève et dit, c'est mon ami. Et les gens vont lui dire, ah, qui là, pourquoi vous faites même ce bas? Tu le connais ou toi, si tu peux être ton ami. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette alliance au nom de Jésus. Reçois cette alliance au nom de Jésus. Je déclare que toi et tes enfants, cette prophétie t'accomplit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens, vous savez, quand ton nom est petit, les gens te fuient. Parce que les gens ont honte de toi. Personne ne te reconnaît. Même les gens qui te connaissent en public, ils font comme s'ils ne te connaissent pas. Parce que ton nom est méprisable. Il n'a pas d'alliance de grandeur. Mais quand ton nom devient grand, les oncles sortent de partout. Les tantes que tu ne connais pas, elles sortent de partout. On vient sonner à ta barrière. Ah, je suis l'oncle de l'oncle de l'arrière-oncle de la tante de la tante de la cousine du neveu de la nièce au village. Tu dis, mais papa, moi, pourquoi on ne m'a jamais parlé de toi? Il dit, non, tu étais encore bébé. Tout le monde cherche à s'identifier à toi. Tout le monde veut être comme toi. Tout le monde veut dire qu'il te connaît. Tout le monde veut dire qu'il est ami avec toi. Juste être ton ami devient un privilège pour certaines personnes. Lorsque ton nom est grand, les gens cherchent à se réfugier sous la gloire de ton nom. Que Dieu rend ton nom grand au nom souverain de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui croit en cette prophétie. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et lui dit, je te bénirai. I will bless you. Je te bénirai. Sois béni de l'Éternel. Be blessed by the Lord. Sois béni au nom de Jésus. Be blessed in Jesus. Sois béni au nom de Jésus. Be blessed in Jesus. Maintenant, vous voyez, now you see, Dieu dit à Abraham, God told Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham. You will no longer be called Abraham. T'appelleras Abraham. Dieu change Abraham. Son nom. God changes his name. Parce que c'est important que le nom que tes parents t'ont donné soit changé par le nom que Dieu t'a donné. Je ne dis pas que tu changes l'acte de naissance, hein. C'est une action spirituelle. C'est un nom spirituel qui commence à fonctionner chez toi. Quand Dieu a commencé à appeler Abraham, sa vie a changé. Cet homme est devenu riche. Il est devenu père d'une grande nation. Maintenant, lorsque vous revenez dans le cas de Jacob, quelqu'un va dire avec nous rapidement. Genèse, chapitre 2.
à partir du verset 24, Dieu va changer le nom de Jacob. Et je prie qu'il change ton nom au nom souverain de Jésus. Genèse, quelqu'un lit rapidement. Genèse, chapitre 32, verset 24, à partir de 24. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, oui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'es béni. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu? Dis Seigneur, Seigneur, say, Lord, Lord, je ne te laisserai pas aller I won't let you go, tant que tu ne m'as pas béni. Unless you bless me. Seigneur, Seigneur, Lord, Lord, je ne te laisserai point aller I won't let you go, tant que tu n'as pas changé mon histoire. Unless you have not changed my story. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Il dit encore. Attends, calme-toi, mon fils, calme-toi. Calme-toi un peu. Calm down. Dieu demande à Jacob, God asked Jacob, quel est ton nom? What is your name? C'est Dieu ne connaissait pas son nom. Is God not aware of his quel name? Est ton nom? What is your name? Jacob. Jacob. Ça veut dire it le surplanteur, le trompeur, le féman, le menteur, le voleur. The robber. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? And what is God saying? Il dit encore. Ton nom. Attends, il dit quoi? Ton nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Wow. Wow. Si tu acclames, c'est que tu comprends if quelque chose. Clap, it means you understand something. Bien-aimé, pendant que je parle, as I'm speaking, il y a dans le règne spirituel des changements de nom qui sont en train de se passer. Remarquez quelque chose. Lorsque Jacob, Dieu lui demande, il demande à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Qu'est-ce qu'on attend que Dieu dise? Hein? Si je dis bénis-moi, Seigneur, j'attends quelle réponse de Dieu. Je te bénis. C'est pas ça. Non, non, comprenez la Bible. Hein? Il dit bénis-moi. Normalement, Dieu doit dire quoi? Je te bénis. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quel est ton nom? What is your name? Dieu lui pose une question. God, quel est ton nom? What is your ça veut dire quoi? Il y avait un problème avec son nom. Jacob voulait être béni. Son père l'avait béni. Mais sa vie n'avait pas changé. Et Dieu lui révèle, ton problème, ce n'est pas que je te bénisse. Je dois changer ton nom. Change your name first. Que Dieu change ton nom au nom de Jésus. Il y a les gens ici ce matin. Tu as prié que Dieu te bénisse pendant des années. Rien n'a changé. Dieu te demande quel est ton nom. Dieu doit changer ton nom. Le nom de Jacob était la source de ses problèmes. Son nom était la barrière entre lui et la bénédiction. C'est ça que Dieu lui dit. Quel est ton nom? Ce nom a un problème. Il doit être changé. Si ton nom est changé, tu seras béni. Et puis Jacob va dire, je m'appelle Jacob. Et Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas appelé Jacob. On t'appellera Israël. En hébreu, ça veut dire quoi? Yishra. El. Yishra veut dire le lutteur. Le guerrier. The warrior. Combattant. The fighter. Et El, c'est la forme réduite d'Elohim, c'est-à-dire Dieu. Donc Yisrael, en hébreu, signifie l'homme qui lutte avec Dieu. Il a vaincu Dieu. Et à partir du moment où il a vaincu Dieu, il a vaincu toutes les batailles de sa vie. La Bible dit que quand il est parti, Esaü qui voulait le tuer, l'a plutôt embrassé. Esaü a commencé à le respecter. Esaü qui était plus grand que lui, Jacob est devenu plus grand, plus puissant que lui. Je prie au nom de Jésus que ton nom soit changé ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen dans la première tente? Que toute malédiction sur ton nom soit changée en bénédiction.
au nom souverain de Jésus. In the silver name of Jesus. Et tu entres dans une saison de gloire, dans une saison de victoire, dans une saison de restauration, de gloire en gloire, from glory to glory, témoignage en témoignage, le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette prophétie ici? Somebody believing this prophecy? Amen. Dis mon Père, say my father, my father. Rends mon nom grand. Make my name great. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Et vous allez voir qu'à partir de ce culte, from that service, dans ta famille, in your family, la manière de te considérer va changer catégoriquement. On doit te donner des petits noms, tonton, tata. Même ceux qui t'insultent, quand tu vas te marier, ils vont venir chez toi. Et ils vont arriver à la barrière, l'interphone. Ils appuient, le gardien appuie. Tu demandes, étant dans ta chambre, sur l'interphone, qu'est-ce qui? Parce que ton interphone, ça sera la vidéo. Il y aura la vidéo sur ça. Non, attendez. Wait. Quand je vois la façon dont vous me regardez, ça m'énerve même. Tu dois me regarder en croyant que c'est ta parole que je suis venu libérer. Écoutez, la grandeur dans la vie vient de Dieu. La Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. On a besoin d'une église grande. Nos enfants, les jeunes là, tu dois être président, le futur président du Cameroun en ton temps. On ne doit pas avoir peur de dire ça aux chrétiens. Nos enfants, si les petits, si, c'est le futur Maradona. Les futurs ministres. Les futurs gouverneurs. Je suis venu enlever une chose de ta vie. La malédiction quitte ta vie. La honte quitte ta vie. La bassesse, tout ce qui est petit, petit là, ça quitte ta vie au nom de Jésus. Nous sommes des princes, mes amis. Nous sommes des princes et des princesses dans ce royaume. Donc Dieu doit te bénir et changer ton histoire. Donc je disais que tu es dans ta chambre et l'interphone sonne. Et tu appuies sur le bouton. Même si tu ne connais pas ce qu'on appelle l'interphone, dis amen. Tiens ça. Tenez. Je veux parler. Maintenant, je veux parler. C'est même ce que moi j'aime être. Attendez. Je veux parler. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Je vous comprends. Je comprends plusieurs d'entre vous. Quand je parle d'interphone, tu vas sonner. Ton interphone va sonner, tu vas appuyer. Et puis, ce sera en vidéo. Les gens, il ne sait pas que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Le gars, s'il fait comme ça, il ne sait même pas que j'ai tapé à pied pour venir ici. Quelqu'un réfléchit comment il va rentrer après le culte. Si lui-même pouvait même trouver un petit 200 là, je fais Tinga 100. Il vient me parler d'interphone. Je vais avoir l'interphone. Non. Non, mes amis. No, friends. Dieu est vrai. God is real. Il est fidèle. He is faithful. Ce que sa bouche dit, sa droite l'accomplit. Right, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Nous n'adorons pas Jésus pour rien. Ne sers pas Dieu pour rien. Tu dois croire que toi, ton nom est grand et que tu ne vas pas mourir dans la pauvreté ni dans la misère. Ce que je vous dis est très sérieux. Non, c'est très sérieux. C'est mon âme que je partage avec vous. J'étais à Douala. Des villageois aussi comme toi. Comme plusieurs d'entre vous. Je ne connaissais pas aussi l'interphone à l'époque. Quand j'ai l'interphone, je croyais que c'était un oiseau. Il y a un conseiller d'un ambassadeur pour une prophétie qui m'a récupéré chez lui. J'habitais avec lui. Mes amis, my friend, c'était la première fois que je voyais le matelas orthopédique. I slept on the medical bed. C'est la première fois que je voyais la baignoire. C'est la baignoire. Do you know? C'est mon voisin. Derrière ma maison là, c'est la behind, maison que. Behind their house. Bien aimé, je suis allé. Quand Dieu décide de t'élever, vous êtes bien, on vous prépare. Moi, personne ne m'a préparé. Nobody prepared me. Je suis arrivé.
I went there. Il y avait la baignoire. Ça c'est quoi ça encore? What is that again? C'est à Bastos ici. Mais ici là, vers l'ambassade de la Chine. Je vois la baignoire, j'ai dit bon. Je réfléchis. Seigneur, au nom de Jésus, quoi ça? Esprit de révélation au nom de Jésus. Ça, on fait quoi ici? Après, l'Esprit de Dieu m'a aidé. J'ai compris que certainement on se lave là-bas. Maintenant, il y a les robinets. Il y a bleu, rouge. Et je demande pourquoi l'autre est bleu, pourquoi l'autre est rouge. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Quand Dieu décide de t'élever brutalement, Dieu va te brutaliser avec l'élévation. J'ai regardé. J'ai réfléchi et dit non, attends. Ah, je comprends. Le bleu, c'est le ciel. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Je préfère le sang de Jésus. J'ai ouvert le rouge. J'ai rempli la baignoire. Je me suis déshabillé. J'ai pris les lampes pour plonger comme au lac Pangere là-bas, Tibati. Donc, quand je prenais les lampes, je ne sais pas comment j'ai fait. Ma main entrait dedans. Mon Dieu, ça a failli m'arracher la peau. Je suis tombé à genoux devant la baignoire. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Oh Seigneur, tu viens de sauver la vie de ton serviteur. C'est où j'ai compris que le rouge, c'était l'eau qui chauffe. Pourquoi? Dieu m'avait élevé sans m'avertir. Mais toi, tu as ton prophète qui t'avertit qu'il y a une saison de gloire qui arrive devant toi. Attendez. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parlait à ton cœur. Il y a des choses que d'ici 5 ans, tu vas te souvenir de ça toi-même. Tu vas rire. Non, ce que je vous dis est sérieux. Vous voyez Tinga et Ligzoa là-bas. En 2001-2002, je passais là-bas à pied. Et Ligzoa là. Et Ligzoa. Et toi, Meki. Le pont de toi, Meki, la nouvelle toi, Meki. La maison qui est à côté de l'eau là, c'était en planche à l'époque, je dormais là-bas. La nuit on se réveillait quand la rivière avait traversé. Le lit était au milieu de la maison, tu pagayais avec tes mains. Tu priais que tu ne te retrouves pas dans la rivière elle-même. Là-bas, je passe à pied là-bas. Aujourd'hui, je passe là-bas dans la voiture, la même route. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es où tu es là, que tu vas croire que ta vie est finie. Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Il y a des grandes choses qui arrivent devant toi. Je peux t'assurer d'une chose. Sois courageux. Sois fort. Ne te laisse pas décourager par les problèmes. Demain sera beau. Demain sera glorieux au nom souverain de Jésus. Quand Dieu commence à rendre ton nom grand, les choses commencent à changer. Dieu commence à te connecter à des personnes élevées. Il dit quoi? Je dresse une table en face de tes ennemis. Dieu dressera une table en face de tes ennemis. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, quand Dieu a dit qu'il va te bénir, les hommes ne peuvent rien contre ça. Donc, je te donne un conseil. N'écoute plus ce que les gens disent sur toi. Ne cherche plus à plaire à quelqu'un. Que quelqu'un croit en toi ou pas, ce n'est pas un problème. Toi, tu dois croire en toi-même. Tu dois avoir un rêve. Et Dieu accomplira ce rêve. Vous savez, laisse-moi finir avec ça. On m'a invité quelque part. Au Hilton. Vous imaginez un laveur de moutons, tu l'invites brutalement au Hilton. Au lieu de l'inviter dans... D'abord, on devait m'inviter dans l'auberge d'abord. Après ça, on m'invite quand même un peu un meublé. Avant de m'amener au Hilton, on me prend, Dieu me prend directement derrière les moutons. Il me balance au Hilton. C'est normal qu'il y ait des dégâts là-bas. Donc je suis arrivé et j'ai prêché sur l'islamologie. C'était la première fois de ma vie où je voyais une longue table sur laquelle il y a la nourriture. Je ne savais pas qu'on appelle ça le buffet. Parce que nous, on mangeait sur les nattes. Et donc, la manière dont j'ai expliqué les Écritures, les gens étaient dépassés. Et on demandait, ah, celui-là, il sort d'où?
Il était où depuis? Vous voyez comment le gars là maîtrise les écritures. Waouh! Il cite même l'arabe. Hey! Il vient d'où? Donc j'étais la vedette. Alors le moment de manger est arrivé. Devant il y avait les plats alignés. Nous étions assis, j'étais invité d'honneur. Et devant chaque plat il y avait des tissus pliés, des pochettes et des grosses pochettes pliées sous forme de chapeau. Comme des chapeaux, des vrais chapeaux, mais pliés comme des chapeaux devant chaque plat. C'était aligné. Et donc, à l'heure de se servir, on dit que l'honneur revient de me servir. J'ai dit au monsieur que, bon, chez nous, on ne mange pas seul. Il faut au moins qu'il y ait même trois personnes qui passent devant moi. On n'a dit pas de problème. En fait, je mettais les gens pour voir comment ils font. Parce que si c'est toi, tu vas aussi te lever, Kounia, tu peux nous faire honte là-bas. Donc, tout ce qu'ils ont pris, j'ai aussi pris ça. On a fini, on allait s'asseoir. On a mis. Tout le monde était assis. J'ai demandé dans mon cœur, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, le chapeau aussi, c'est quoi? Après, j'ai eu une illumination. Et j'ai dit, ah, c'est sûr. Donc, eux ici, avant de manger, on porte d'abord le chapeau. J'ai dit, waouh! J'ai envoyé mes deux mains. J'étais avec un ami à côté. J'ai pris. J'ai levé ça. J'étais sur le point de poser ça sur ma tête comme le chapeau. J'ai vu mon ami Christian. Il a détaché sa part et il a mis ça sur ses jambes. Moi aussi, j'ai dit, j'ai fait comme si je priais. Oh Dieu! Toi qui donnes le pain aux pauvres. Toi qui te souviens de tes serviteurs. Et qui les nourris au jour de la détresse. Comme ce mouchoir, ce chapeau élevé. Tout le monde sera élevé. Les gens disent Amen. Et j'ai détaché, j'ai aussi mis ça sur mes jambes. Et les gens commencent à dire waouh. En plus, le gars est civilisé. Waouh. Et je me suis adossé sur mon ami. Je lui ai dit à l'oreille, Christian, tu viens de me sauver la vie. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que bro, moi-même c'est le voisin qui a sauvé ma part. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Je vous dis la vérité devant Jésus-Christ. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vas voir ta vie derrière. On va te dire que c'est toi qui as vécu certaines choses. Tu vas dire que ce n'est pas vrai. J'ai vu des personnes célibataires ici. Mariées. Et ton mariage, ce n'est pas le seul mariage. Le mariage, la honte de ta mère. Ton mariage sera nahelele, nahelele, nahelele. Nahelele. Ça sera du venez voir. Venez voir. Si tu es un homme ici, Dieu t'élèvera, fera de toi un multimilliardaire. Si tu es une femme, Dieu t'élèvera, fera de toi un multimilliardaire. Soyez heureux au nom souverain de Jésus. Tous ceux qui vous souhaitent le malheur, ils vont mourir d'AVC. Parce que le malheur ne t'atteindra jamais. Ton Dieu te gardera. Ton Dieu te préservera. Tu seras grand devant ceux qui ont dit que tu ne seras rien. Si quelqu'un est fâché, il sortit qu'à l'air. On s'en fout. On s'en fout. Lève ta main vers moi. Dis Seigneur Jésus, renouvelle mes forces ce matin. Au nom de Jésus. Que l'alliance de mon père, ton serviteur, le prophète Ekane Ferdinand, soit mon alliance. Oh mon Dieu, toi qui t'es souvenu de lui, souviens-toi de moi et de ma maison. Dans le nom souverain de Jésus, que mon histoire soit glorieuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu,
Toute prophétie contre ma famille, contre ma vie, je la retourne à l'expéditeur et je déclare, je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Au nom souverain de Jésus, ouvre la bouche, commence à prier, à prophétiser ce matin. Le fato si caparabata la manteles, le rebedo shataba la mandica, claparato si cabala, intapa leketo si tala breve regedia, ileke manado shata, le preparado si keredia mantabala, le premeneno shata, le cosi fata piragita, intapa la mantele rebedegede la gosha, le pato sika, ile fato Libera Baba la Cosata, Libera Kemendele de Bia, Icomara Baba do Shata, Leparosia, Limano Soparagi, Icaparata la Mantele de Beregate, Leprepelegate, Leprepelegatiga, Leprepelegatiga. A prier! Amen. Au nom de Jésus Christ, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Bien-aimé, la Bible dit que Jacob était méprisé par son propre père, par son frère. Seule sa maman croyait en lui. Peut-être qu'il y a des personnes ici, personne ne te considère. Nous allons prier. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enterrées dans la terre. Tu vas dire, mon père, partout où ils ont enterré mon étoile, partout ma vie est enterrée, partout ma gloire est enterrée, je la déterre au nom souverain de Jésus. Et je prophétise qu'à partir de ce culte, je vais de gloire en gloire. Les portes fermées s'ouvrent devant ma vie. Dis, mon père, oh Dieu, quel que soit le lieu où ma destinée est enterrée, où ma gloire est enterrée, où mon étoile est enterrée, je déterre ma vie. Je prophétise que les portes sont ouvertes. Je vais de gloire en gloire. Ceux qui n'ont pas cru en moi reviendront me demander pardon. Ouvre la bouche, prie en prophétisant sur ta vie et ta famille. Au nom de Jésus, on a prié. Donne amen comme le tonnerre, s'il te plaît. Au nom de Jésus, on a prié. Qui croit qu'il y a une alliance de gloire sur lui ce matin? Qui croit en ça? On va faire un dernier sujet de prière. Lorsque Jacob a quitté son père et sa mère et sa ville, il est parti avec un bâton seulement. Juste la nourriture, ses habits et un bâton. Il est parti. Quand il est revenu, ses richesses ont envahi tout le pays. La manière dont tu es parti sera différente de la manière dont tu vas revenir. Ton amen, s'il ne me plaît pas, je te dis la vérité. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est une prophétie. Laissez-moi raconter une histoire avant qu'on prie. J'habitais à Douala avec ma mère, toute la famille. Nous habitions dans une chambre. Nous étions 9, je pense. Une chambre en carabote. On était 9. Avec
un seul ventilateur. Je vais juste vous encourager. Parce qu'il y a des gens qui diront, ma vie est trop dure. Nous avons connu des moments compliqués. Mais je n'ai pas renoncé à Jésus. Donc tu ne dois pas juger Dieu ou le condamner. Parce que demain sera beau. C'est parce que tu ne vois pas demain. C'est pour ça que tu te plains. C'est normal. Mais je peux t'assurer en tant que serviteur de Dieu. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toi-même tu comprendras que Dieu est fidèle. Donc nous étions 9 dans cette petite chambre. Il y avait un seul ventilateur. Et vous savez, Douala avait les moustiques. Il fallait que le ventilateur tourne sur nous tous. Mais j'ai remarqué toujours que le ventilateur, à un certain moment, calait sur ma mère. J'avais remarqué ça pendant peut-être une semaine. Et donc une nuit, j'ai dit ok. Et quand ça calait sur elle, nous, les moustiques meurtriers se sucraient sur nous. Voyez. Donc le matin, tu te lèves, tu es anémié. Parce que l'armada de l'armée des moustiques s'est abattue sur toi. Mais maman était sécurisée parce que vous savez que le vent du ventilateur, ça repousse les moustiques. Donc une nuit, j'ai dit ok. Il faut que je sache comment le ventilateur cale toujours sur maman. J'ai fait comme si je dormais. J'ai mis la main sur mes yeux comme ça. Un œil était ouvert sur le ventilateur. Quand tout le monde s'est endormi, vers 1h du matin, j'ai vu ma mère lever la tête. Elle a regardé à gauche, à droite. Elle a vu qu'on dormait. Elle s'est approchée de ma petite soeur. Elle a fait comme ça sur sa face. Elle a vu que ma petite soeur dormait. Elle s'est approchée de moi, elle a fait comme ça. Elle n'a vu pas de réaction. Elle a regardé le ventilateur. Elle a tendu la main. Elle a enlevé le bouton là, elle a appuyé le bouton là. Elle a bien ciblé ça sur elle. Quand elle s'est recouchée, j'ai dit, maman, je t'ai attrapé. Elle s'est mise à rire. Et on a encore remis ça, ça tournait sur nous tous. Les toilettes, c'était plein. Et donc tout ce que nous déposions nageait. Donc quand tu te lavais, tu cherchais un coin. Parce que si tu verses l'eau sur toi, ça frappe de l'autre côté. Ça va revenir sur toi. Et on n'avait pas mieux que ça. Excusez-moi. C'est parce que tu penses que tu souffres. D'autres ont souffert plus que toi, mais ils sont restés fidèles à Jésus-Christ et à leur foi. Donc c'est comme ça qu'on se lavait. Et je suis quitté, j'ai laissé les gens là-bas. J'ai dit un jour à Dieu que non. Moi, je ne veux plus la vie ici. Je suis un prince, ça doit changer. Je suis quitté de Douala sans rien. Mais quand je suis retourné à Douala, je suis retourné avec la Mercedes. Quelques années plus tard. Non, je veux vous dire que Dieu est fidèle. Je parle comme un prophète parce que il y a beaucoup parmi vous qui êtes en train de traverser des moments compliqués. Parfois, prier, tu es même découragé. Même venir à l'église, parfois, c'est compliqué. Tu te demandes, depuis des années, rien ne change. Non, sois patient. Tout ce que je peux te dire, sois patient. Le meilleur reste à venir. Donc, lève ta main. Dis, mon Père, mon retour sera plus glorieux que mon aller. Au nom de Jésus, toute personne qui s'est moquée de moi dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, partout où je suis passé, Père, je déclare qu'avant la fin de cette année, ils vont commencer à demander pardon parce que ta main touche ma vie. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et déclare ces paroles de foi sur ta vie et sur ta famille. Anito shata la pedra italicata bra brapelli cohosia lindo fija. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name I pray.
Dis mon Père, say my Father, que ma vie soit différente. Let my life be different. Je prends possession des clés I take possession of keys de ma vie of my life et de la porte de mes ennemis and the gates of my enemies dans le nom précieux de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Vous savez, mes amis, you know, friends, sois fortifié. Be fortified. S'il te plaît, sois fortifié. Please be fortified. Ta famille sera sauvée par toi. Your family shall be saved through you. Et plus ta gloire sera grande, plus ta formation sera difficile. And your training will be hard. Dis, je ne me découragerai plus. Say, I won't discourage myself anymore. Je ne pleurerai plus. I won't cry anymore. Jusqu'à accomplir ma prophétie. Until I fulfill my prophecy. Chacun sa clé, n'est-ce pas? Do everyone has tu as porté ta clé avec ta bouteille d'huile de faveur neuve. On va prier tout à l'heure pour ça. Pray shortly for that. Amen. Je veux entendre les cliquetis des clés, s'il vous plaît. Iram, Asura Vishayvaro, Serame, Asura Vishayvaro, Asura Vishayvaro, Asura Jera me, espera me, sagara mi more vota. Jera me, espera me, more vota. Asura mi more cliquez-tu des clés, en haut, en bas, cliquez-tu des clés, cliquez-tu des clés. Bouge tes clés, bouge tes clés à l'Éternel. C'est le dernier culte des clés. L'Éternel te donne de posséder la porte de tes ennemis. La porte du Thanatos t'est soumise au nom de Jésus. Reçois autorité sur la porte du Hadès. Reçois autorité sur la porte du célibat. Reçois autorité sur la porte de l'échec. Reçois autorité sur la porte de la maladie. Reçois autorité sur la porte de la malédiction. Reçois autorité sur la porte de l'imitation spirituelle. Reçois autorité sur la porte de l'échec. Reçois autorité sur la porte de ta vie. Personne ne comptera plus jamais ta vie. Reprends les clés de ta vie. Quiconque retenait les clés de ta vie, nous arrachons les clés de nos vies de leurs mains. Nous arrachons les clés de nos vies de leurs mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis mon Père, aujourd'hui, je retrouve le contrôle de ma vie, de ma destinée, de ma prophétie. Personne ne prendra plus jamais contrôle de ma vie, ni de ma famille, ni de mes enfants. J'ai les clés et je domine. J'ai les clés du succès. J'ai les clés de la réussite. J'ai les clés de la prospérité. J'ai les clés de l'élévation. J'ai les clés de la gloire. J'ai les clés de la longévité. J'ai les clés du succès dans toutes mes entreprises. Je ne souris plus jamais car je reprends les clés de ma vie à ceux qui les détenaient. Aucune porte ouverte par mes ennemis n'aura autorité sur ma vie parce que je prends les clés de l'enfer. J'arrache les clés du Thanatos. J'arrache les clés de la sorcellerie. Ni la sorcellerie ni la puissance de Satan n'auront jamais de pouvoir sur ma vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis à moi cette fois-tu où est ta clé de l'huile de faveur.
Amen. 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 Quand tu vois cette clé, tu vas de domination en domination. Toutes tes entreprises réussissent au nom de Jésus. Dieu te rend grand dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que l'année prochaine, à cette époque, quand nous reviendrons, tu ramèneras la clé de ta propre maison. Tu ramèneras la clé de ton immeuble. Nous construirons des immeubles partout au Cameroun. Nous en construirons hors du Cameroun. Nous achèterons des voitures. Nous construirons des hôpitaux. Nous construirons des cliniques. Tu ne vas pas mourir si cette prophétie n'est pas accomplie dans ta vie. Tes enfants ne mourront pas tant qu'ils ne seront pas reconnus dans leur génération comme des personnes dont ton Dieu et mon Dieu a rendu le nom grand. Au nom de Jésus, l'Éternel rend ton nom grand. À partir d'aujourd'hui, la grandeur t'accompagnera partout où tu seras. Dis Seigneur Jésus, je suis grand car mon nom a été rendu grand. À partir de ce matin, j'ai la mentalité de la grandeur. Je ne suis plus esclave. Je suis libéré. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, donne Amen comme le tonnerre.